Amis internautes de partout, bienvenue dans l'autre rubrique sous Bladi Infosport avec Anzou Christo. Depuis 1929, nous sautons suivre 252e classico avec une 101e victoire madrilène. Rapidement, FC Barcelone Real de Madrid, en pile cause au cas avant un match joué ni après un match joué. Match a fini 3-1 dans Santiago Bernabéu. Karim Benzema, 12e minute. Non, avec ce côté que FC Barcelone vraiment monté. Et puis Toni Kroos recevant un passe, l'a accéléré malgré aucun build. Sans passe, monsieur ça. Bagaille phénoménal. Résistance, li, vision, servi Vinicius qui allait jusqu'au bout. Qui font piche net, qui prennent un bras de Stegen pour la retourner. Benzema tant qu'en pénalité classé ballon dans le camp, c'était 1-0. Deuxième goal là, arrivé dans 36e minute de jeu. Yon action côté que Vinicius encore aller, gagne pas trois moun qui baril. Li patient, li assez patient, juste le fond passe pour un joueur qui vient dans dol qui servi Ferland Mendy et Mendy servi Federico Valverde qui roulait ballon en tant qu'on mit en terrain buteur 2-0 pour Real de Madrid. Et nous gagnons dans la 80e minute de jeu. Barcelone va réduire écart là pour l'histoire et pour la vérité, yo pas qu'on réduit score. Tant que goal a fait, c'est tant score là a aggravé. Score là c'est résultat tous les deux équipes yo dans affiche là. Score là c'est pas seulement équipe qui a mené qui fait score là ou pas qu'a réduit score ou qu'a réduit écart là. Barcelone a réduit l'écart avec Ferran Torres. Ok. Après une accélération de Ansu Manifati qui centré. Bob Lewandowski, Alphonse Bagay. Par contre, ils sont juste sans ballon, on a son talonnade. Et puis, dans aucun vide, monsieur classé ballon avec pied gauche. Ferran Torres réduit l'écart. Real Madrid pral fait changement. Karim Benzema quitte match. Rodrigo monté. Vinicius quitte match. Ou Antonio Rudiger monté, ok, Modric qui t'a quitté match déjà. Eduardo Camavinga monté, non action, côté que pas de hors jeu, il a servi Federico Valverde et il a servi oui, et puis Valverde servi lui-même monsieur ça qui relé Rodrigo Goes qui provoqué une pénalité. C'était Vala qui t'a pas confirmé pénalité là et puis sous même pénalité ça. C'est vrai Ter Stegen intimidé monsieur en pile. C'était première pénalité le d'avoir chuté dans le classico. D'ailleurs, c'est pour mes goals dans le classico. Eh bien, je fais un bon pour rien. Goal, malgré que c'est un bon, il n'y a pas de rien. Ça, vous connaissez le classico, ça. 3 buts, 4 buts qui ont gagné dans le match. 3 là-dedans, c'est habitué buteur dans le classico déjà. Karim Benzema fait plusieurs goals dans le classico, environ 10. Federico Valverde fait 3e goal dans le classico. Ferran Torres fait deuxième goal dans le classico. Parce que dans 4-0, c'est Ferran Torres qui a clôturé le score. Là. Son talonnade, vous songez ça très bien. De Pierre-Emerick Aubameyang. Eh bien, c'est Rodrigo Goes qui est premier buteur dans le classico. Qui fait premier goal dans le classico. Reste buteur macho, habitué fait goal dans le classico. Déjà. Real Madrid, sans Thibaut Courtois, fait Barcelone fait premier défaite dans le championnat. Première défaite FC Barcelone dans le championnat. D'un coup, Barcelone Guetta prend 4 goals. Barcelone Territi a 1 goal avant 9e journée. Mais désormais, Barcelone Guetta prend 4 goals dans le championnat. Si là, Barcelone te gagne, Marc-André Ter Stegen dans le goal là, grâce à Jules Koundé, d'un acteur comme Roberto Mounsayo, c'est eux qui ont géré la défense pour l'équipe FC Barcelone. Busquets, Frankie de Jong, Pedri, Mounsayo, qui dans le terrain. Et puis, attaque, je pense que définitivement, c'est attaque ça qui attaque FC Barcelone, Rafinha, Dembélé et Bob Lewandowski. Ferran Torres à Antoine Fati, il y a une séance qui a joué, mais c'est monté, il a monté dans le match. C'est Mounsayo qui a commencé pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone, non défense, vraiment haut. Toujours à quitter espace dans le dol, perdu
deux premiers goals, c'est presque comme ça. On prend une défense problème, ou traverser rapide, qui toujours à monter, qui n'a pas gagné timing, qui n'a pas gagné capacité pour mettre l'adversaire hors jeu. Problème. Et Benzema te font goal dans le match là, en le faisant te gagner hors jeu sur action. Ça, là, plus ou moins défense, là, plus ou moins bien joué. Real de Madrid dit même, c'était Eder Militao, David Alaba, Carvajal, Mendy, Mitaterrain, Chouameni, Kroos, Modric, et puis attaque là, c'était Benzema, Rodrigo avec Federico Valverde. Moi, j'ai annoncé ça dans le week avant. Je t'ai dit, Federico Valverde prêt à jouer comme attaquant couloir parce que je suis vraiment aidé dans le bon là. D'ailleurs, Federico Valverde, c'est l'homme du match. Monsieur ça, l'homme du match, un paquet de gros matchs pour Real Madrid. Federico Valverde, même si on a parlé de Vinicius comme gros joueur, même si on a parlé de Pedri, faut nous citer non parmi les qui ont potentialité, qui ont capacité pour venir un gros joueur. Même si on croit que Pedri a un gros joueur, même si on croit que Fatih a un gros joueur, eh bien, Federico Valverde capable de venir un gros joueur. Mounsa au FC Barcelone, c'est où tu as joué Luka Modric. T'es quitté match là pour Eduardo Camavinga, Benzema, Vinicius, Benzema probablement pour le Ballon d'Or, très probablement c'est Benzema pour le Ballon d'Or même. Mounsa yo, c'est yo même qui t'a aidé Real Madrid fait victoire là. Real Madrid était invincible, Barcelone fait premier défaite dans le championnat, c'est là gros danger pour FC Barcelone. C'était Enzo Cristo sous Bladi Info Sport qui prend le plaisir saluer amis qui ont l'habitude de suivre nous, que ce soit Facebook ou YouTube ou n'importe plateforme électronique là. À bientôt pour notre rubrique. Amis internautes de partout, bienvenue sur Bladi Infosport. Danger, danger pour FC Barcelone. Vraiment danger pour FC Barcelone. FC Barcelone depuis la saison lagué qui pas gagné aucun match. Que m'a pas dit tap-tan. Parce que il y a tant nous gagne tout match, les égaux équipes nous gagne, on voit tant nous gagne plus fort match. Mais tout gros attente au Barcelone gagne une. Que ce soit Inter de Milan pendant deux fois qu'il perd du une, qu'il font nul. Que ce soit Bayern de Munich, que ce soit Real de Madrid, Barcelone incapable de battre gros équipe. C'est vrai, il bien comporté le devant Tipitio, excepté Real Vallecano qui font 0-0 à elle. Il bien comporté le contre Tipitio, mais Barcelone gagne difficulté devant équipe. Plus ou moins étoffe Barcelone dans gros danger avec yon faux pas FC Barcelone encore dans la Ligue des Champions li éliminé comme l'hypoco mathématique comme l'hypoco officiel nous pas qu'à dire l'éliminé mais nous est très mal pour Barcelone d'être qualifié. Faut être à faire deux défaites pour Barcelone d'être deux victoires pour Barcelone d'être qualifié. Nous est très mal pas gagné que Barcelone n'a pas de Bayern bagala compliqué pour FC Barcelone bagala compliqué pour Xavi. Pourtant, ils te font très 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 belle mercato. FC Barcelone en danger, vraiment en danger. Sur route Europa League, perdu match à l'Classico, ça, les prêts ont impact. Li. Il est vrai que nous devons concentrer sur Europa League là, mais Europa League là fatigant. Europa League là fatigant. Il ne pas jouer avec une détermination. Hein. Jouer là avec ou pas, on fatigue la brise et ça dissout. Détermination ou pas de pour jouer seul ou de pour sauter en jouer fatigue la répéter sous ou pour l'autre match là. Voyage Europa League yo loin. Barcelone nan en grand danger, vraiment en grand danger. Est-ce qu'on passe départ Aubameyang pour danger ça? Parce que yo ka roulé Dembélé avec Rafinha mais yo pas ka roulé Lewandowski. Il s'est bien joué jusqu'à maintenant. Pour moi, je ne suis pas gagné reproche. On ne comprend pas que mon cap gardé là, je ne suis pas gagné reproche. Pour qui ça vous gagne reproche? Et pas seulement l'équipe équipe là. Il est meilleur buteur équipe là dans toutes les deux compétitions le jouer. Il ne sait pas mes meilleurs buteurs compétition le jouer. Il n'est pas mes meilleurs buteurs des champions là quand même à 5 goals. Il est meilleur buteur championnat à l'Espagne là, jusqu'à maintenant à 9 goals. Est-ce qu'on a compris reproche pour le Bobby Lewandowski? Selon vous-même, côté problème Barcelone dans la sortie, qui rend que. Nous seulement en octobre, Barcelone est presque 4 ans des champions sur l'Europa League et il a perdu Classico. D'habitude, même que Barcelone n'est pas en forme, on dirait que l'esprit nègre à peut être Barcelone. Et bien, je dis à là, c'est 3-1 pour Real de Madrid.
c'est vrai Real Madrid pour craser Barcelone vraiment craser mais quand même c'est pour un non Santiago Bernabéu FC Barcelone en grand danger Xavi c'est petite caille sans penser ou penser à Kebel ou penser à Pablo Espasa Savel ce maintenant Barcelone gagne match qui peut jouer pas gagne match championnat d'Espagne pendant semaine n'a pas gagne des champions semaine ça eh bien FC Barcelone n'a gros problème ou même internaute sous Bladi Info Sport pas qu'a dit dans commentaire là selon même bah quelques problèmes FC Barcelone on capable dire c'est équipe là pour comprendre est-ce que nous qu'a dit Gavi pas jouer parce que Gavi titulaire sous De Jong là Gavi pour bagarre il faut pressing là c'est vrai joueur ça nous mettre le carton jaune d'avance parce que chaque match vous garantit que Gavi prend carton jodi a encore il prend carton Barcelone n'a gros danger. FC Barcelone qui a pas mal de bons joueurs, pas mal de gros joueurs. Quand même c'est Bob Lewandowski, c'est pas même Busquets là, mais quand même nous compte ça Busquets hier, vous vous entendez la poste pas là. Busquets et Fred Cashcard, c'est pas même meilleur dans le registre ça. Bad dans poste là tout cas dans le registre ça. Attention. Barcelone n'a problème. Ou même qui c'est fanatique FC Barcelone, ou même qui c'est fanatique football, ou pas pour commenter pas pour dire selon eux-mêmes qui cause problème ça. C'est Bladi Info Sport qui toujours prend plaisir former et informer et partager rubrique ensemble avec vous. À bientôt pour l'autre rubrique.